Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau de votre magazine, la CMU Votre Assurance Santé. La Caisse nationale d'assurance maladie poursuit sa campagne de proximité à la rencontre des populations. Aujourd'hui, nous avons posé nos valises dans la ville de Grand-Laou, à 128 km d'Abidjan. Admirons ensemble la carte postale de cette charmante localité. La sympathique ville de Grand-Laou est située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Ponts, à environ 2 heures de route d'Abidjan. C'est une ville côtière qui borde le golfe de Guinée. Grand-Laou est baigné par les eaux de l'océan Atlantique, du fleuve Bandama et de la lagune Tagba. Sa population est estimée à un peu plus de 77 000 habitants. On y trouve les Avikam, les Dida, les Nzima, les Adjoukrou, les Ani Amantian, les Baoulé et Lomoué, les Aïzi, ainsi que bien d'autres communautés réparties dans la commune, ce qui en fait une ville particulièrement riche au plan linguistique et culturel. Sur le plan touristique et gastronomique, la cité idyllique de Grand-Laou est une destination de choix pour qui veut passer des séjours inoubliables. Le parc d'Azani, l'île aux chimpanzés, l'île des Robinsons et l'île aux trois eaux, encerclées par le fleuve Bandama, la lagune Tagba et l'océan Atlantique, sont quelques-unes des attractions touristiques qu'offre Grand-Laou, en plus des nombreuses spécialités culinaires à base de produits halieutiques qui font la richesse du terroir. La Côte d'Ivoire est belle, n'est-ce pas ? Grand-Laou sera certainement votre prochaine destination touristique, pourquoi pas ? C'est cette charmante ville qui a accueilli le 2 mars dernier, pour une journée d'information et de sensibilisation, l'équipe des événements de la CENAM. Je vous invite à suivre un résumé des temps forts de cette journée citoyenne en présence du maire, M. Ali Sissoko. C'est dans une ambiance aux allures festives que la ville de Grand-Laou a accueilli cette nouvelle étape des événements de la CENAM. Tous ont manifesté leur plaisir d'être à cette rencontre. Dans son mot de bienvenue, le maire de Grand-Laou a salué cette initiative de la CENAM qui vise le bien-être de ses administrés. Merci pour la belle mise en œuvre de cet important outil de sécurité sociale et de santé. Je voudrais demander pour ceux qui n'ont pas encore fait l'enrôlement de s'enrôler à la couverture maladie universelle. Je vous montre ma carte pour dire que c'est très, très important pour notre santé, pour notre bien-être. Le représentant du directeur général de la CENAM a pour sa part expliqué le bien fondé de la couverture maladie universelle et l'intérêt de cette journée d'échange avec les populations de Grand-Laou. Chers parents, nous sommes venus établir une plateforme de dialogue avec vous. Nous sommes venus vous informer de tout ce dont vous avez droit avec la couverture maladie universelle. N'hésitez pas à présenter vos préoccupations. Notre équipe est à votre écoute pour mieux vous servir. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre, suivie d'échanges dynamiques avec les populations. Merci à la régie. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la CENAM a mené, au cours de cette rencontre, une sensibilisation préventive sur les dangers de l'alcoolisme, du tabagisme et de la drogue. Des précisions à travers cet élément magnéto. Adopter une hygiène de vie saine afin de maintenir une bonne santé, gage de développement, tel est le message adressé par la CENAM aux populations de Grand-Laou à travers la sensibilisation sur les méfaits du tabagisme, de l'alcoolisme et de la drogue qui nuisent gravement à la santé. Animée par Dr Zekpa Wilfried, cette sensibilisation préventive a permis de dresser, pour les populations de Grand-Laou, un tableau précis des graves conséquences de la consommation abusive d'alcool, de cigarettes et de l'usage de drogues et autres stupéfiants sur la santé des individus et leur entourage. Dr Zekpa Wilfried a également insisté sur les comportements à adopter par les populations afin de préserver leur capital santé. Merci à Dr Zekpa Wilfried pour toutes ces informations fort utiles pour la santé des populations. Après la sensibilisation préventive, place à la promotion de la couverture maladie universelle.
Ce fut l'occasion pour la CENAM d'expliquer aux populations de Grand Laou les avantages que leur offre la couverture maladie universelle et comment faire pour en bénéficier. Suivons ensemble. Deux communications ont permis à la CENAM d'expliquer aux populations de Grand Laou tout ce qu'il faut savoir sur la couverture maladie universelle et comment faire pour bénéficier de ses avantages. Dans la première communication, M. Kwaku Paul, assistant du chef de service identification à la direction de l'affiliation, a mis l'accent sur les étapes à suivre pour bénéficier des prestations de la CEMU. La seconde communication, animée par Dr Koulibaly Omar, chef du service du contrôle et du suivi des prestataires, a porté sur le panier de soins de la CEMU. Dr Koulibaly a indiqué à ce propos que la CEMU prend désormais en charge l'anesthésie-réanimation et les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle et le diabète, ce qui porte à 15 le nombre de spécialités intégrées au panier de soins de la CEMU. Dr Koulibaly a également présenté les actes médicaux et les médicaments pris en charge, le barème financier et la tarification des actes du panier de soins de la CEMU. Concernant les médicaments, la CEMU prend désormais en charge les antihypertenseurs et les antidiabétiques qui viennent s'ajouter aux 741 médicaments déjà pris en charge par la CEMU et qui sont disponibles dans les pharmacies privées à Grand Laou comme dans toutes les autres localités du pays. La liste complète des actes et leurs tarifs est disponible sur le site de la CENAM www.ipscenam.ci. Pour bénéficier de ces tarifs et du ticket modérateur de 30%, il faut se faire enrôler à la CEMU, retirer sa carte, payer régulièrement ses cotisations de 1000 francs par personne et par mois et respecter un délai de carence qui est désormais d'un mois. Merci à Dr Koulibaly Ouma et à M. Kwaku Paul pour leur intervention fort appréciée des populations de Grand Laou. Celles-ci en ont profité pour poser des questions ou présenter tout simplement leurs préoccupations sur la couverture maladie universelle. Je vous invite à suivre un extrait de cette interaction dynamique entre la CENAM et les populations de Grand Laou. Depuis 2007, c'est ça qu'on a fait papier là. On ne m'a rien dit. Aujourd'hui, on dit de payer 1000 francs. C'est tout le 2017 là, j'ai commencé à payer ou bien ce jour. Deuxième, il y a 10 enfants. Et tous, il a fait les papiers. 1000 francs par mois. Moi, je ne travaille pas. Il a fait comment pour payer? Les cotisations ont démarré depuis le 1er juillet 2019. Et si depuis juillet 2019, vous n'avez pas payé 5 francs, alors vous ne devez rien. Mais si vous avez reçu votre carte en 2017 et qu'en 2019, vous avez payé 2000 ou bien 3000, on va compter depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand vous n'avez pas les moyens pour payer les cotisations, c'est simple. Vous avez la possibilité d'aller au centre social pour poser le problème. Ou bien, vous allez à la sous-préfecture pour poser le problème. Il y aura une petite enquête pour voir si vraiment vous n'avez pas les moyens. Si c'est vrai que vous n'avez pas les moyens pour payer les cotisations, on va vous mettre sur la liste des bénéficiaires du régime d'assistance médicale. L'État même va payer votre cotisation pour vous et pour vos enfants. Mais, comme je l'ai dit, tout le monde ne se lève pas pour dire « je n'ai pas l'argent ». Parce que si tu dis « tu n'as pas l'argent », là, nous on va venir voir. Est-ce que vraiment tu n'as pas l'argent? Pour ce qui est du parcours de soins, si Dr Koulibaly peut revenir là-dessus, pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'il y a lieu de faire quand on est malade. Lorsque vous êtes malade, vous allez vous rendre dans un centre de santé de niveau 1, qu'on appelle les USPC, établissement sanitaire de premier contact, qui est généralement un centre de santé rural ou centre de santé urbain. Ce sont ces centres-là qui sont le premier niveau de la prise en charge. C'est seulement lorsque cette prise en charge ne peut pas se faire à ce niveau que vous êtes référé par le praticien au centre de niveau 2, qui peut être l'hôpital général ou bien le CHR. Si la prise en charge de votre cas nécessite des moyens au-delà du plateau technique de l'hôpital général ou bien du CHR, vous êtes encore référé au CHU. S'il n'y a pas de centre de santé de niveau 1 dans votre ville, donc c'est automatiquement à l'hôpital général que vous allez être pris en charge. Okay? Maintenant, l'entrée de la prise en charge se fait
par une consultation, qui peut être soit la consultation du médecin généraliste ou bien la consultation de l'infirmier. En dehors de 4 cas spécifiques qui sont la pédiatrie, l'ophtalmologie, les soins dentaires et tout ce qui est urgence, vous devez toujours passer par un médecin généraliste qui va vous référer au spécialiste plus tard. Alors, il faut comprendre que lorsque nous déployons des établissements sanitaires, nous identifions des personnes à mesure de recevoir, c'est-à-dire accueillir les assurés, les orienter pour leur prise en charge. Quand vous rentrez dans le centre de santé, c'est cette personne que vous devez identifier, vers laquelle vous devez vous orienter pour qu'elle puisse prendre votre carte, vérifier vos droits et vous délivrer, au cas échéant, le bon de prise en charge pour la consultation. Je vous propose à présent quelques réactions des participants au thème de cette rencontre. On ne peut avoir un développement harmonieux de longue durée qu'avec des populations en bonne santé. Et l'une des clés de la bonne santé, c'est cette assurance maladie à moindre coût. Et nous, à Grand Laou, on prend notre part pour que tous nos parents aient cette carte d'assurance et qu'ils puissent se soigner pour le développement de Grand Laou. Ça a été une très belle cérémonie et surtout, elle a été très utile parce qu'elle nous a permis d'avoir des informations de qualité et d'avoir toutes les précisions dont on avait besoin concernant la CMU. Tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, tu es Bété, tu es Gouro, tu es Malien, tu es Sénégalais, tu es de n'importe quelle ville, pardonnez, venez faire votre carte, parce que c'est très important. Comme à toutes les étapes des événements de la CNAM, un dispositif d'enrôlement a été installé afin de permettre aux populations de Grand Laou de se faire enrôler gratuitement à la couverture maladie universelle. Pour toute information complémentaire sur la couverture maladie universelle, veuillez consulter les adresses qui s'affichent sur votre petit écran. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de votre présence fidèle. Votre magazine, la CMU, votre assurance santé, s'achève. La Caisse nationale d'assurance maladie se tient à votre écoute pour mieux vous servir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.